plus tard. Ça va mieux, madame? Oui, oui. Vous voulez un chewing-gum? Tank, nous vous rappelons que le bar est en voiture 14 boissons fraîches. Vous y trouvez des boissons fraîches, chaudes et des produits du terroir. Et Ariane, on va au bar? Mon père m'a dit de ne pas bouger jusqu'à l'arrivée. Oui, mais c'est long. Et moi, j'en ai marre d'être assis. Où allez-vous, jeune homme? Au bar. Vous pouvez surveiller nos sacs, s'il te plaît? Peu après, elle était fâchée qu'on s'en aille, la dame. Oui, bon, c'est pas notre mamie. Elle a pas le droit de nous commander. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants? On veut ce que vous avez dit dans le micro. Les produits du terroir. Vous avez de l'argent? Oui, moi j'ai 3 oseilles 50. Et moi 5. Pour ce prix-là, vous aurez une petite bouteille de coxy et un bar de chocolat KO. C'est tout? C'est cher. Laissez tomber, on va manger nos mandarines. Oui, on prendra les produits du tiroir de mamie en arrivant. Dis donc, Ariel, tu te souviens du numéro du wagon? Non, mais il est marqué sur nos billets. Et où ils sont nos billets? Ah zut! Je les ai laissés à nos places. Attends, c'est pas compliqué. On a que chercher la vieille dame et quand on la trouve, ça veut dire qu'on est arrivé à nos places. Ah oui, t'as raison. Un quart d'heure après. Impossible de retrouver la vieille dame. Peut-être qu'elle a volé nos sacs et qu'elle a sauté du train. Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? On a perdu nos places, commandant. Suivez-moi. C'était deux fauteuils gris avec des bandes vertes. Moi, je me rappelle que j'étais assis près d'une fenêtre par où on voyait un champ. Voilà, réessayez-vous et ne bougez pas. Ah, bon, oui, je reconnais. Merci, colonel. Nos affaires sont toujours là. Nos mandarines aussi. On va pouvoir goûter. Regarde, je comprends pourquoi on ne retrouvait pas la vieille dame. Elle a mis sa veste sur sa tête. Elle dort. Qu'est-ce qu'on fait? On la réveille pour lui demander si elle veut une mandarine? Oui, c'est plus poli.